Sur les marches du palais, on prend la pause. On attend 2019 en se prenant pour des starlettes. Comme toujours, on rêve d'amour. Un peu plus de gentillesse et un peu plus d'amour entre les personnes. Je peux rien souhaiter d'autre vu le bazar et le chaos qui règne. Je pense que ça ne nous ferait pas de mal. Sous le soleil de la Côte d'Azur, pas de désir excentrique, mais des résolutions très classiques pour commencer cette nouvelle année 2019. Déjà, arrêter de fumer. Ça, c'est la première des résolutions. Et puis, faire attention à sa santé. Exactement. C'est primordial pour nous. D'essayer de voir plus souvent ma famille et de les appeler plus souvent. Et c'est déjà bien. Et de me remettre un peu au sport. Perdre du poids. Oh, une vingtaine de kilos au moins. Après bébé, hein, malheureusement. Parce que vous avez eu un bébé, donc... Oui, mais j'ai beaucoup mangé aussi. Monsieur, pour 2019 ? Se remettre au sport, parce que c'est difficile après un bébé. Les nuits sont courtes, donc difficile de se motiver, ouais, c'est ça. Il y a les raisonnables, qui ont l'esprit de sérieux. Et puis il y a les gourmands de la vie. Ils ne choisissent pas, ils demandent tout. J'espère que ce sera une année de santé, de sérénité et une année pleine de succès en amour. Avec des sentiments. Sportive. Aussi sportive, toujours du sport. Tous ces souhaits, tous ces vœux renouvelés chaque année se réaliseront-ils un jour ? Avec un peu de volonté, d'effort et de chance, un nouveau départ est toujours possible.